Clétus et Régis testent des instruments à cordes pincées. Bienvenue. Eh, excusez-nous, on était en train de travailler là. Voilà. Bienvenue sur Guitar Cook TV, une fois de plus. Épisode. À chaque fois que je fais une vidéo, en fait, je fais. Ouais, épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, la guitare du Bon Coin. J'ai acheté il y a quelques mois une Ibanez 7 cordes, une RGE, voilà, que j'ai payé 300 balles sur le Bon Coin. L'idée, vu que nous avons la crème de la crème du Guitar Tech de France et du monde, peut-être. C'est trop d'honneur que tu me fais. Voilà. Petite vidéo, un peu tuto vite fait. Sur qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un petit coup de clean. Parce que là, il y en a besoin. Là. Voilà, un petit coup de... Qu'est-ce qu'on peut faire sur une guitare qu'on vient d'acheter sur le Bon Coin pour lui redonner un petit peu d'estime d'elle-même. Et voilà, histoire que les gens respectent. Un peu le respect, ouais, voilà, c'est ça, c'est important, respect. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, effectivement, c'est cool que tu l'aies gardé vraiment dans son jus comme ça, parce que bah, c'est souvent bah, la guitare d'occasion que tu peux acheter, qui n'a pas été spécialement trop entretenue ces derniers mois, voire ces dernières années, et qui a fini en vente, du coup. La plupart du temps, tu récupères la guitare, bah, elle est crado, il y a un peu de toute façon de réglage et de personnalisation à faire. Tu vois, par exemple, la touche est quand même bien sale. Tiens, ce qu'on appelle dans le métier la sauce blanche kebab. Oh, regarde, avec le reflet, là, c'est magnifique. Voilà, tu vois que bon bah là quand même elle est poussiéreuse d'un petit peu partout, etc. Le sélecteur est très très crade, il y a de l'oxydation qui s'est logée dedans. Alors il fonctionne encore, il est pas trop mal d'ailleurs, mais. Alors j'ai dû la brancher une fois, mais je sais même pas si ça fonctionne bien en fait. Bah, écoute, ça sera un peu la surprise, on va dire. Donc on va commencer par caler le vibrato. Donc là je t'ai emprunté une gomme. Pour ce faire, on va mettre dans la cavité du vibrato. Ça c'est bien, c'est pas trop dur, mais c'est quand même suffisamment ferme pour soutenir le châssis. Tu vois, là ça va le bloquer, là il est bloqué, donc on va pouvoir. En gros, l'idée c'est qu'il rebascule pas en arrière au moment d'enlever quoi. Voilà, ce qui va être un peu relou parce que souvent ça va sortir des pivots, etc. etc. C'est dans ces cas-là que tu l'alignes. Donc là en fait, l'idée est là. Après, faut pas avoir peur dans ces cas-là d'enlever toutes ces cordes. Il y a souvent beaucoup de guitaristes qui vont changer, tu sais, une corde par corde, etc. Là en fait, on a besoin de faire un clean, donc malheureusement on pourra pas y couper. Il me semble qu'il y a un mec qui aurait fait une vidéo sur le changement de corde. Oui, il fait les sous-entendus sur le sadomasochisme dedans. C'est un youtubeur, il me semble avoir entendu. Ah, je pensais que tu aurais des trucs à faire de ton côté en fait. Bah non, voilà, là j'attends finalement. D'accord, ok, d'accord. Donc là, je suis en mode relou. Est-ce que c'est grave que celui-là il soit remis de l'autre côté par exemple? Ou que celui-ci soit remis dans l'autre sens? Non, pas spécialement. Tu vois, je suis dans le genre à psychoter, à me dire à chaque fois que j'enlève, tu sais, je les mets bien dans l'axe pour me souvenir lequel était dans quel sens. On les garde à peu près dans l'ordre. Voilà, j'ai pas ma crucelle d'écho. Alors tiens, j'ai la mienne. Par contre, ce que tu vas faire avant, tu vas enlever la barre de rétention si tu veux bien. Complètement. Parce que ça va nous permettre de tout nettoyer comme ça. Et avoir 4 mains, ce serait pas pratique pour être Guitar Tech. Oh, tu sais. Alors, la seule corde qui est neuve, hein, tu remarqueras. Ouais. C'est la corde de sol. Très bien. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire, ou un mec qui a voulu l'essayer avant de l'acheter, ou je ne sais quoi, il avait essayé de l'accorder en laissant le scié bloc corde. Ah oui, j'ai eu le cas, mais t'as et du coup, voilà, du coup, la corde a pété entre le scié bloc corde et la mécanique. Sauf que, voilà, j'ai pas. Ah d'accord, mais non, mais agresse-moi, n'hésite pas. En même temps, tu discutes et ça avance pas, quoi. Ouais. Et du coup, je n'ai changé qu'une seule corde, histoire de pouvoir au moins l'essayer vite fait, quoi. Alors là, tu vois, par exemple, sur les pontettes, si tu veux faire un zoom, on va faire le nécessaire, en fait, pour les laisser serrer, une fois qu'on a enlevé les cordes, de façon à ne pas perdre la petite cale, le petit palais à l'intérieur qui va appuyer sur la corde. Alors attention. Cette pièce-là, à l'intérieur, là, que je te pointe, est mobile. Mm-hmm. En fait, si je recule, tu vois, hop, ça recule aussi. Cette pièce-là, elle est tout à fait mobile, c'est-à-dire qu'elle peut sortir du logement. Si tu laisses desserrer et que tu retournes la guitare pour la travailler, tu peux être sûr que tu vas les perdre et ça va être l'enfer. Donc, au final, quand tu as enlevé tes cordes, tu resserres subtilement. Reste. Voilà, tu vois, l'idée, c'est que ça ne bouge pas. Au moment de la remise de la corde, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais... il faut pas trop serrer le carré qui tient la corde. Faut serrer, en fait, c'est comme tout en fait. Il faut serrer, mais
pas suffisamment pour que ça morde trop, tu vois, parce que tu risques de casser ton plat de vis, mais il faut quand même que ça soit suffisamment ferme pour... Et tu, je parle de connaissance de cause, parce que tu risques surtout de casser ton pontet. Ça t'était arrivé, toi, t'avais fait... Étant jeune, sur Josiane, sur l'ancien vibrato, j'avais serré comme un fifou, et le pontet, il a fait... Poc. Chez. Voilà. Ah oui, la corde de sol, c'est celle que t'as montée, donc on passe à l'envers, là, évidemment. Ouais, bah, oui, à la Petrucci, parce qu'on espère qu'en faisant comme les grands, ça va sonner comme les grands, mais en vrai... Mon cul, c'est juste chiant pour les mecs qui lèvent les camps. Moi, je trouve que c'est une petite classe, la truc à l'envers, non un petit, ça fait un petit style. Non, c'est tout pété. Oh, là, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre un petit peu de scotch de masquage sur les micros et globalement les cavités. Parce qu'en fait, on va nettoyer ta... Bon, rapidement, mais on va nettoyer ta touche à des frettes. Avec de la laine d'acier. Donc la laine d'acier, en fait, ça fait la petite poussière métallique. Qui va se coller sur les aimants des micros. Exactement, et qui va rentrer à l'intérieur. Donc déjà, bon, c'est chiant à nettoyer, puis pour les micros, c'est pas génial non plus. Donc on va cacher tout ça. Je vais essayer de faire un beau plan crasse. Le plan crasse. Là, on est magnifique sur la... c'est énorme. C'est énorme. C'est tout à fait dégueulasse. Tout à fait dégoûtant. Donc voilà, donc vous achetez une guitare de case, elle est un petit peu cradingue et tout. Donc toi, le premier truc auquel tu penses, c'est un petit coup de clean sur les frettes. Bah ouais, c'est bon. Bah après, y a des gens que ça dérange pas. Moi, je sais pas, j'aime bien jouer avec une guitare qui est propre. Enfin, je sais pas. L'exemple que je donne souvent avec, tu sais, une touche qui est encrassée et des frettes oxydées, c'est, je sais pas, tu ramasseras un bout de barbelé complètement oxydé dans la rue comme ça. Oui. Toi, tu le ferais. C'est parce que c'est toi, quoi. C'est... Voilà, avec la télécaster. C'est vrai. Toi, t'en ferais de la castillage pour guitare. Moi, non, mais ça. En vrai, voilà, c'est vrai qu'en termes de confort, d'hygiène, c'est quand même mieux. Et puis de toute façon, tes frettes oxydées, elles vont forcément abîmer tes cordes et elles-mêmes et tout. Il y a quand même un confort de jeu et un son avec des frettes propres. Ouais, puis plaisir en fait, parce que oui, tu t'as acheté une gratte sur le bon coin. Ok, c'est une gratte de case, mais c'est l'occasion d'en faire une guitare neuve. Au moins clean et que lui remettre un petit coup d'une petite remise à zéro histoire de profiter de l'instrument. Quoi. Est-ce que puis-je faire quelque chose pendant ce temps-là? Non. Ça, tu peux nous raconter une blague si tu veux. Alors une blague. Moi, à part la blague des steaks hachés, j'en connais pas beaucoup les blagues en fait. La blague des steaks hachés. C'est des steaks qui se baladent dans la forêt. Ouais. Et au bout d'un moment, il y en a, ils se retrouvent tout seuls. Oh, il se met à flipper, il dit, qu'est-ce que c'est, je suis tout seul et tout et tout. Puis il y a les autres qui arrivent, on s'était caché. Tu sais pourquoi on n'emmène jamais de brioche à la montagne? Je sais pas. Parce qu'elles savent pas ce qui est. Bah, je t'ai senti en difficulté avec ta blague sur les steaks, non, et non, je voulais t'aider. Non, non, mais tu vois, c'est... Voilà. On coupera au montage ou pas. Non, mais rire et lutterie, quoi. Alors. Couverture des micros. Ouais. Voilà, comme ça au moins c'est propre. Et voilà. Puis c'est... Puis d'ailleurs, ça me fait penser. On va même en mettre un petit bout au sélecteur aussi pour éviter, pour éviter que ça rentre à l'intérieur. C'est quand même très très volatile. Comme... Le pinceau. Voilà. Ah, c'est toujours bien en fait pour pinceau, nettoyer. Pinceau. Mais moi je suis complètement un peu. Toi aussi t'as un pinceau dépoussiérage. Pour te dire à quel point je suis. Ah, regarde, t'as vu tout ce qui sort déjà de ton. Regarde. Parfait. Hop. Donc ça, c'est ce qui tient le bloc-corne. Exactement. Et. Pour votre gouverne, si des fois vous avez des problèmes, vous pensez avoir des problèmes avec votre vibrato, parce que quand vous tirez sur votre vibrato, il se remet en une certaine position, quand vous appuyez sur le vibrato, il se remet pas à l'accord, ça peut être, parce que moi ça m'est arrivé, ça peut être le scié bloc-corps qui est pas bien serré, et du coup il bouge un poil. Et puis pareil, quand tu bouges le vibrato, t'entends un petit clac ou un petit crack, ça peut venir de là aussi. Voilà, j'avais l'habitude sur les Libanaises à chaque fois de remettre un petit coup sur le vibrato pour le remettre à la bonne position pour qu'il soit accordé comme il faut. Quoi. Et un jour on m'a dit, mais t'as vérifié ton scié, est-ce qu'il est bien serré? Et j'ai remis un petit quart de tour et puis du coup ça ne bougeait plus. Le problème a disparu. Donc voilà, donc tu démontes tout. Bah disons que là ça va. T'es là fuck moi. Bah disons ça me démonte tout. Ça va me permettre de pouvoir attendre tout facilement sans avoir d'autres démontages à faire. D'accord. Enfin tu vois là techniquement. Là on est sur des. T'es en train de démonter des pièces pour lesquelles ça nécessite pas de réglage. Non, c'est juste. Il y aura juste besoin de les remettre et de les serrer proprement. Et il y a pas de. Le réglage, le gros réglage. En fait, je voulais voir aussi parce que souvent, tu vois, sur les guitares japonaises, là par exemple, ton Ibanez en est l'exemple. Ton truss rod, c'est pas une clé hexagonale classique. Il faut utiliser une clé à pipe. D'accord. Et du coup, j'aime bien savoir est-ce que j'ai la bonne, est-ce qu'il bouge bien déjà. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, ça me permettra de pouvoir y accéder facilement tout à l'heure quand on fera le gros réglage. Il y aura une suite à cette vidéo. Là, on fait la vidéo en mode
accessible à tout le monde, pas trop de travail compliqué et pas avec des frais engagés dessus. Et puis la vidéo d'après, c'est on va pousser un petit peu plus loin le clean, quoi. Le concept. Voilà. Là en fait, tu vois, ça va me permettre, si jamais mon bout de laine d'acier arrive sur le bord, que ça en foute pas. Voilà. Et puis surtout que ça vienne pas se stocker à l'intérieur de la cavité. Mmh. Voilà, donc là elle est prête pour pouvoir faire un petit coup de clean, donc je vais te demander, si tu veux bien avoir l'obligeance, de me passer un peu de laine d'acier, s'il te plaît. Eh bien, voici. Alors laine d'acier, vous trouvez ça chez, peut-être pas Carouf, mais le Roi Merlin, Brico oui. Machin, Bricoflex, Bricomax. L'idée c'est d'en prendre de la très fine, triple zéro, quadruple zéro. Triple zéro, c'est parfait. Triple zéro. Je t'en fais un petit tampon, tu vois, un peu roulé, histoire d'avoir de la matière. Mm-hmm. Et en fait, là, on va venir frotter. Toujours dans le sens de la fibre du bois. Voilà, donc à partir du micro jusqu'au scie. Faut pas nettoyer comme ça, parce que c'est comme ça que tu vas rayer ta touche et tes frettes aussi. Donc là, voilà. Et ça, on peut faire ça, parce que là, du coup, la touche est en palissandre. Est-ce que je peux faire ça sur une touche de télécaster vernis, par exemple? Alors, touche de télécaster vernis, techniquement, oui, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Mais ça va matifier le truc. Ah bah, ça va trayer ton vernis. Donc là, dans ces cas-là, si tu veux vraiment. Alors, si tu veux nettoyer ton vernis, tu vas utiliser. En même temps, je suis con, ça ne tourne pas de la même façon. Non, bah, voilà. Vernis, la crasse. Alors, la crasse peut se stocker sur les pieds de frette et tout. Dans ce cas-là, tu utilises, bah, par exemple, chez Harmonix, tu peux utiliser le cleaner. Pour le nettoyage et l'entretien. D'accord. Du coup, voilà, t'en vaporises un petit peu sur ton chiffon, puis tu viens frotter. Puis après, si tu veux vraiment nettoyer tes frettes, à ce moment-là, mets du scotch de masquage. Ok, comment c'est un peu long, effectivement. Mais effectivement, ouais, ça va te permettre d'être bien propre là-dessus et de pas attaquer ton vernis, quoi. D'accord. Alors, j'en profite pour faire coucou à Harmonix. Harmonix, ils font des produits d'entretien pour guitare. Voilà. Et avant que vous criez au scandale du placement produit, du machin, on va vous en faire gagner, en fait. Parce qu'ils sont cool, ils ont dit ouais, on peut faire gagner un truc. Et donc voilà, ça va être un concours très compliqué, il va falloir genre liker une photo. Donc ça me paraît quand même super honnête que tu likes une photo et puis éventuellement tu peux gagner tout un kit d'entretien pour ta grotte. Bon, et puis c'est bien de soutenir un peu les Français. Voilà, c'est du produit français, messieurs-dames. Cocorico! Oh, je finis gentiment, mais tu vois, avec le frottement et le magnétisme, t'as vu comment ça se dépose? Voilà, bah pour moi ça peut être pas mal déjà pour un premier, ensuite on va faire le nettoyage, on va traiter un petit peu la touche et ça va être pas mal. Puis voilà, donc là pour l'instant en termes de coût, on est à de la laine d'acier, ça va coûter environ 3,50 balles. Et un peu de scotch papier. Ça, le scotch papier, pour le coup, faut pas hésiter à prendre un truc un peu plus cher parce que. Genre scotch de peintre, scotch de peintre parce que, en gros, si t'as un truc qui est pas suffisamment adhésif, ça va se défoncer. Si t'as un truc qui est un peu fragile, tu t'arriveras pas à le couper. D'accord. Bien. Okay. Bon, voilà, ça va t'éviter les emmerdes. Alors fais voir, est-ce que c'est plus. Ah ouais, c'est. Ouais! Ah ouais, non mais ouais! Tu vois forcément une différence. Non mais complètement. Et là encore, c'est pas encore tout à fait parfait. C'est. Ça va être. Juste petit coup de laine d'acier, quoi. Bah, disons qu'en plus, ça permet de faire ressortir tous les endroits où c'est sale. Donc tu sais exactement où tu devras aller. Ouais, mais la grosse crasse est partie déjà. Alors Mathieu, il fait ces petits flacons-là qui sont vachement bien. Il fait un truc dégraissant en fait. D'accord. Qui est vraiment bien, du coup, pour finir de nettoyer ta touche. Et en plus, le truc, c'est que c'est un dégraissant qui est quand même très doux. Tu vas pas utiliser un truc aussi violent que du dissolvant, un truc comme ça. D'accord. Et là, l'idée, c'est vraiment d'enlever tout ce qui va être reste de sébum, etc. Dessus. Mais tu vois, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc ça, pour faire ça, bon, comme c'est un travail qui est un peu crasseux, je prends un chiffon qui a déjà un petit peu vécu. D'une manière générale, tu mélanges jamais tes chiffons. T'as un chiffon pour chaque chose, un chiffon pour le nettoyant, voilà, tout ce qui va être pour le clean, un chiffon pour le polish. D'accord. Un chiffon pour le traitement de la touche, parce que tu mélanges pas les produits entre eux et tu vas pas étaler ta crasse que t'as enlevé d'un côté. Pour la ferme. Voilà. Donc tu shootes sur le chiffon et pas sur la. Bon, je préfère, ça me permet de savoir à peu près combien de produits je mets, comment ça va se passer. Puis voir aussi, bah, tu sais, contrôler un peu comment ma touche réagit à tout ça, tu vois. C'est quand même important. Après, quand c'est vraiment des endroits où c'est très 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 dégueulasse, il faut. Tu peux saturer un petit peu, hein, comme d'habitude. C'est de la crasse, ça, Ouais! Ouais, c'est du dégueulasse, ouais. C'est du dégueulasse. On est sur une crasse vintage, on est sur une crasse. Voilà. Donc là, c'est un autre produit, c'est un. Le cleaner. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce produit de Mathieu, en fait, il marche bien. En fait, c'est un nettoyant, en fait. Donc, techniquement,
Il y a rien qui m'empêche de l'utiliser. Là, en fait, ce que je voulais faire, si tu veux, c'est d'aller choper dans les coins, dans les bords de fret, les endroits où tu vois, ça va se stocker, ça va être un petit peu sale et tout. Donc, globalement, t'auras pas forcément tout au premier passage. Vaut mieux faire plusieurs passages en deux, trois semaines. Tu vois, quand à chaque fois que tu changes tes cordes, tu fais ton petit nettoyage et tout. Ah oui, d'accord. Plutôt que forcer à donf et faire un énorme nettoyage. Un d'accord, peu violent, ok. Donc, t'achètes une gratte. Si elle est pas super clean, tu lui fais pas mal un grand coup, essayer de mettre un gros coup de clean. Non, t'es mieux de mettre un coup de clean généreux pour les premiers changements de cordes avant de reprendre le rythme habituel du clean. Voilà, si tu veux faire un gros plan, là déjà on voit que la touche est quand même beaucoup plus nettoyée. Là je vais passer un petit coup d'huile pour nourrir un peu la touche. Elle a été nettoyée, elle a été dégraissée. Donc... D'accord, alors moi j'avais un autre truc, j'avais... Ouais, c'est bien aussi. Alors ça c'est bien, mais uniquement pour les touches en palissandre, ébène, en bois sombre en fait, qui est un peu gras, mais d'accord, qui n'est pas forcément traité. Bah, l'huile de citron, enfin, c'est la Dunlop comme ça, en fait, elle a un pouvoir oxydant pour justement foncer un peu ta touche, pour lui donner ce côté un peu plus joli que certains palissandres n'ont pas parce qu'ils sont comme ça. Si tu mets ça sur un bois blanc, tu le tâches forcément, tu peux utiliser, etc. D'accord, donc là, la petite huile qui va bien. Celle-là, elle est vraiment utilisable surtout. D'accord. Elle n'a pas ce côté oxydant. Je suis un grand fan du téléachat, je dois l'avouer, ça fait des années que j'ai pas regardé, parce que j'ai plus vraiment le temps, mais j'avais des périodes à prendre le petit déj devant le téléachat. Sérieusement. Quand j'étais jeune, il y avait un truc, c'était le Renovoto. Et les mecs, ils faisaient un coup de clean sur une bagnole bien dégueulasse, genre elle avait vécu pendant 6 mois sous un arbre exprès et tout. Et ils tendaient un grand bout de scotch au milieu de la bagnole et ils faisaient la moitié et pas l'autre. Et ça m'a toujours fait délirer de se dire, mais une fois qu'ils ont fini le tournage, est-ce que le mec il lui rend sa bagnole mi-propre? Ouais, mi-propre, mi-sale. Tiens, voilà, merci, c'est bon, on a plus besoin. Voilà, donc là on va laisser le temps que l'huile soit absorbée. Bah, après, comme ton bois il est quand même relativement sec, je pense qu'il va boire assez vite. Mm-hmm. Mais voilà, on va la laisser, puis après on va pouvoir finir un peu le clean. Est-ce qu'on peut trop huiler? Est-ce que c'est dangereux de mettre trop d'huile dessus? Est-ce que le bois peut... Bah, de toute façon, si tu mets trop d'huile dessus, au bout d'un moment il absorbera plus rien, donc tu vas te retrouver avec une touche super grasse et tout. Ok. On peut faire les généreux, il n'y a pas un risque particulier. En fait, moi ce que je conseille en général, c'est de faire plusieurs passes. Tu fais petite passe par petite. Là, tu as vu, je mettais juste vraiment une petite goutte d'huile au centre et tout. Faut étaler tout de suite que t'aies pas un endroit qui boive et l'autre qui ne gorge pas, tu vois. Tu la laisses sécher, puis tu t'adaptes un petit peu. Si tu vois que ton bois il avait super soif, qu'il a tout absorbé direct, tu peux remettre un petit peu. Mais encore une fois, vaut mieux que ça se fasse dans le temps. T'as fait une passe d'huile et tout, c'est un peu plus propre. Tac, bon, la prochaine, tu referas ton petit clean au changement de camp. Alors, ça a bu, ça y est? Oui, ça a bu. C'est bien, moi je pense que c'est pas nécessaire d'en remettre trop pour l'instant. Tu vois, parce que quand tu vas l'illustrer un petit peu, elle va reprendre de la brillance comme ça. Là, je me demande si t'avais pas eu un changement d'électronique à un moment. Je ne connais pas, absolument pas l'historique de la guitare. Bah là, quand tu vois, quand t'as deux potards qui sont pas tout à fait les mêmes, tu peux penser que peut-être un moment il a plus. Voilà. Donc voilà, il y a moyen de ça se nettoie ça ou pas? Oui, on peut le nettoyer. Oui, on va pouvoir le nettoyer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse à dents? Tiens, je te prête la mienne. Chacun sa brosse à dents. On ne se prête pas sa brosse à dents. Non, c'est comme les sous-vêtements, c'est personnel. Il y a un moment, il prend quoi comme produit, par exemple, pour cleaner ça? Cleaner. Parce que là, on est sur de la crasse. Bon, vous voyez pas, attendez, je vais vous faire un plan. On est sur de la crasse toute neuve, quand même. Hein. Ah ouais, t'as eu un changement d'électronique. Ouh là là! Ah, c'est la découverte. C'est pas beau. On est sur du... On va pousser les câbles. Si t'arrives à faire un gros plan par là, tu vas voir un peu l'état des soudures. On est sur du travail d'artiste, peut-être. Je ne sais pas. Non, pas. C'est ce qu'on appelle un caramel. Hein, il y a beaucoup de tout. Vous voyez comme je travaille, moi aussi. Hein. Ça existe, un apprenti Guitar Tech. C'est le mec qui est à côté du Guitar Tech, ici, qui sert à rien. Qui va chercher les cafés. Tu veux que je frotte le potard? Tu veux que tu mets une tarte et tout? Ferme-la! Cherche les bières plutôt! Ouais, bah t'as encore les soudures en bon état, c'est bien tout ça. C'est pas mal. Attends, je vais te prendre le nettoyant contact. Mais, j'allais dire, mais prends-moi, mais pas du tout. Alors non. Et on prend le nettoyant contact, voilà. Avec plaisir.
Nettoyant contact, acheté chez Brico, quelque chose. Pareil, ça coûte pas grand chose. Voilà, et on m'a dit que. Voilà, les gens font avec du WD-40. WD-40, c'est vraiment, oui, c'est quand t'as pas autre chose et que t'as voilà. pas forcément. Et donc voilà, donc le WD-40, ce qu'on m'en a dit, et j'attends ton avis là-dessus, c'est que. C'est bien, ça fait le taf parce que ça fait un petit peu tout, ça fait tout, mais ça laisse un peu de gras parce que ça lubrifie un peu aussi. Ouais. Et en règle générale, ça laisse un peu la crasse dans le truc, quoi. Tandis que la bombe à contact, c'est un peu plus sec, c'est un peu plus. Voilà. Ça va vraiment dissoudre. Le WD-40, ce qui est bien, c'est que t'en trouves facilement, c'est un peu plus agressif aussi. Ça peut marcher. Donc alors, le coup de pchit de nettoyant contact, tu le fais par-dessus, par l'intérieur, j'ai alors, pas vu en fait, j'étais en train de me frotter là tu vois, je le fais à l'intérieur parce qu'en fait ton sélecteur il est ouvert sur l'extérieur, donc c'est pour ça aussi qu'il s'encrasse comme ça. D'accord, donc tu le remplis, enfin tu le remplis. Donc on met un pchit de chaque côté et tout, puis tu fais bouger un peu le levier. D'accord. Histoire que le produit puisse agir. Par contre pour les potentiomètres, je suis passé par l'intérieur, c'est sous le carter. D'accord. Pour nettoyer la piste. Ok. Et là tu vois, tu le sens direct, là t'avais c'est un truc accroché un petit peu à la fin de la piste. Et là c'est plus le cas. Ok. Voilà, donc Mathieu de chez Harmonix qui m'a contacté moi à la base en me disant ouais machin, je suis en train de lancer ma marque, j'ai besoin d'un peu d'exposition et tout, est-ce qu'il y a moyen de faire du placement produit? Donc moi je lui ai dit j'y connais rien en produit, mais j'ai pas envie de faire la promo de trucs que je maîtrise pas trop, donc du coup je l'ai mis en contact avec Gaël. Et du coup il t'a envoyé des produits, si j'ai bien compris, ouais. Pour que tu puisses les essayer. Et vu que Gaël a dit, mais oui, c'est bien. C'est très très bien. Mais c'est très très bien, et en plus ça sent bon, et en plus nanani, et en plus c'est machin. Et du coup, je me suis dit, bon bah si c'est validé par les gens de métier, moi je valide aussi. Et voilà. Et du coup, bah, plutôt qu'ils m'en envoient à moi, que moi j'entretiens jamais mes grattes, voilà. Ça se voit. Je me suis dit, pourquoi pas vous en faire gagner un kit. Donc plutôt qu'ils me l'envoient à moi, il sera dispo pour vous. Donc. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers la photo qu'il faut liker. Et puis, voilà, faudra liker la page Harmonix, histoire que ça lui fasse un petit peu de suivi quand même. Et puis, de liker une petite photo sur mon Instagram à moi ou sur le sien. Et puis, voilà. Alors, au final, t'as même pas testé, tu vois, avec la cordeur. Est-ce que le signal passait bien et tout Les soudures sont là, il n'y a pas de soudures sèches. C'est juste que, bon, elles sont pas très très bien faites. Mais tout est là. Après, on peut faire le test du... Parce, voilà, chiant, si parce qu'on a prévu après de refaire un coup sur l'électronique. Donc voilà, donc là on est sur l'entretien. Partant du principe que si ça fonctionne, grosso modo, c'est si ça crachine un petit peu dans les potards, un petit coup de nettoyant contact. Ouais. Si ça crachine pas, on se pose pas plus de questions. Il n'y a pas vraiment de raison d'en faire plus, entre guillemets, parce que là l'idée c'est pas c'est pas d'en faire un boulot, entre guillemets, c'est d'entretenir une gratte rapidement. Oui, donc, oui, oui. Job, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, là je vais passer un petit coup de. Propre sur l'intégralité de la guitare. Voilà, donc là c'est plus poussière un peu, crasse générale. Ouais, crasse générale, effectivement, tu as vu. Bon, là tu vois. Si on peut faire un petit plan, donc le truc qui coule au ralenti, c'est un peu porn un peu. Voilà, la gratte elle est pas clean, quoi. Donc là. Tu vas voir la différence. Donc là c'est le cleaner aussi, tu vois. Ouais, c'est le cleaner aussi. Là, j'aime vraiment bien ce produit-là. Moi je vois à travers l'écran du téléphone, mais c'est ça me paraît assez lourd quand même. Tu vois, là on a saturé un petit peu pour enlever un peu le truc, on va frotter un petit peu. Regarde. On aura une guitare neuve bientôt. Voilà. Là tu vois, ça enlève absolument tout et tout. Enfin, t'as un vernis qui est bien lisse. Et en fait, Mathieu fait aussi, en plus du cleaner, un produit qui s'appelle le Mirror, qui est là pour en fait faire la finition et la maintenance. Je vais prendre un autre bout de chiffon. Hop. On va mettre un petit peu. Et on rajoute. Et là, qui va vraiment réactiver, faire briller ton vernis. Hop, on va sécher un peu le truc. Est-ce que tu vois la différence? Bah, un peu qu'on voit la différence. Oui. C'est tout propre, hein? C'est tout. Voilà, on va faire pareil sur. Sur le corps. Sur le corps. Donc là, tu vois déjà la différence. Tu vois, on a récupéré quand même pas mal de brillance et tout. Alors. Il apparaît aussi toutes les traces de jeu. Alors attends, je vais essayer. Là on voit à côté du sélecteur, on voit toutes les micro-rayures dans ce sens-là. Quand on a une belle aussi ici, là où le médiateur frappait, où les doigts, etc. Voilà, donc juste à la limite là, du ouais. reflet de la lumière, on voit un peu comment la guitare elle a vécu. Quoi. Voilà. Tiens, regarde, on va faire un petit test avec le chiffon. On va utiliser le polish de chez Harmonix. Ça se présente sous la forme
d'une crème, crasse, un peu. Ouais, plus d'une crème. Et attends, excuse-moi, je spoil un peu le truc, mais t'es en train de me vendre que toutes les micro-rayures qui sont là, il y a peut-être moyen de les récupérer en partie. En fait, on va améliorer le truc. Ah, donc là, on est sur du truc un peu plus énergique. Bah, disons qu'il faut y aller un petit peu, si tu veux, effacer un peu tout ça. Tu vois comment ça a récupéré le truc déjà? Alors là, j'ai envie de dire, c'est merveilleux. On va faire le avant-après. Attention vidéo. Clic. Là, il y a encore un peu de traces. Il y a encore un peu de traces, mais ça n'empêche que. On les voit quand même vachement moins. Après, oui, honnêtement, les harmoniques sont très bien parce que bah, tu vois, il y a vraiment un effet tout de suite. Mm-hmm. Là, c'est à la portée de tout le monde, d'en foutre un peu sur un chiffon et puis de frotter. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est con, mais quand on l'utilise souvent et tout, ça sent bon, ça ne prend pas trop, trop la tête. Et voilà, il avait posté des photos avant-après où il restaure un vernis de Gibson avec le polish. Moi, à la base, je vois ça, tu sais, j'ai tendance à me dire c'est peut-être un peu exagéré, où il y a passé vraiment longtemps. Oui, il l'a fait dans l'autre sens. Et au final, non. Il était neuf et puis il a eu tout cradossé après pour faire le before. Non, mais au final, tu vois, là t'en étais témoin. Non, non, c'est vraiment bien. Ça ressemble plus du tout à la même chose. On va faire le test derrière, parce que derrière, elle a aussi beaucoup de rayures. Et beaucoup d'endroits, alors là tu vois des trucs comme ça, de rayures de ceinture. Là, on est boucle de ceinture, on peut pas rattraper ça. Non, ça va être compliqué, mais on va pouvoir restaurer un petit peu l'ensemble quoi. La grosse rayure qu'elle a en plein milieu là, tu penses qu'on pourrait même récupérer ça? Bah, on va faire le test, on va commencer par celle-là. Je suis désolé, même si elle se voit toujours avec la lumière, elle est quand même beaucoup moins visible. Puis regarde, t'as vu le vernis qui a repris tout son brillant, tu vois la différence entre là et tu le vois qui devient brillant. Alors donc du coup là au final, il y aura quoi? Il y a d'autres trucs à faire ou pas? Non? Pour le moment c'est bon. Alors après, moi tu vois le côté patiné comme ça qui est devenu brillant avec le temps, là on sent qu'il jouait beaucoup à cet endroit-là, donc c'est devenu tout brillant. Il y a 2-3 petites astuces quand tu veux dissiper ça, redonner un peu le côté satiné. Moi j'aime pas quand ça fait un peu vernis comme ça. On va le faire, tu vas voir la différence, tu vas aimer je pense. Après l'avant-après, ça sera pas montrable à l'image, mais toi tu vas le sentir à la patte. Tu peux me refiler de la laine d'acier s'il te plaît? De la laine d'acier, mais complètement. Merci bien. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Donc pareil, toujours dans le sens de la fibre. Oui, bah oui, là c'est pour matifier un peu l'ensemble. Là en fait, faut pas avoir peur parce que pareil, t'as quand même pas mal de vernis, t'es vraiment sur une couche très fine que tu vas égrainer pour enlever justement la brillance en fait. Et la patine que tu peux avoir derrière. Alors après, t'as des gens qui aiment bien avoir des manches très brillantes, très glossy. T'en as d'autres qui aiment pas du tout parce que, au contraire, quand tu transpires un petit peu, ça. Ouais, ça tu colles, ça bloque. Mais tu vois, t'enlèves déjà des trucs quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça se fait ça sur des. Je m'étais pas mal renseigné quand j'ai acheté mon Explorer des années. Donc, vernis nitro, machin et tout. Pendant des mois, je jouais 3 minutes, j'essuyais mon manche au chiffon parce que ça devenait la moitié collant, pourri quoi. Et j'ai vu sur le net que du coup il y a plein de gens qui, quand ils achètent une guitare qui est vernis cellulo, ils font poncer, je sais pas si c'est le terme exact, mais ils font reprendre une partie du manche derrière pour enlever une partie du vernis ou au moins la. Donc ouais, elle a mis quelques années avant d'être agréable comme gratte en final, parce que ça devenait collant, donc j'essuyais, je frottais et tout. Alors oui, c'est des choses qui se font. Après, faut savoir que si tu fais faire une opération comme ça, il faut que tu le fasses faire par quelqu'un qui sait, etc., etc. Et que quelque part, on peut estimer que la valeur à la revente va baisser peut-être un petit peu. Oui, parce qu'elle est plus dans son état d'origine. Oui, tu l'as fait faire des modifs assez drastiques dessus. D'accord. Après, c'est plus une modif de confort, ça, mais il y a. Oui, il y en a qui vont pinailler en disant moi je préfère les manches gloss, quoi. D'accord. Couche. Ah, mais oui! Mais oui! On est toujours brillant, c'est marrant, mais on est moins. On est moins collant. On n'est pas. On n'est pas encore. Parce que là, j'avais quand même vraiment beaucoup patiné.
Voilà, donc là on a fait un petit coup de... On a matifié légèrement le manche pour que le contact revienne un peu plus agréable derrière, parce que c'était vraiment très... Ah, tu vois, de toute façon, là j'ai pas attaqué trop le bord de touche. Ouais, ouais, on voit là, la différence. Brillant, on voit la différence, vois, sur le bord de touche ici, et alors sur le reste. Et tu vois, ça va être... Sent, vous verrez que dalle, parce que... Ah, ça va être beaucoup plus agréable si tu la prends. Oh, non, c'est cool. Mais déjà, rien que le corps, quoi. Ouais, visuellement, elle a pris un coup de... Alors, elle a tout l'époque de sa vie de guitare, parce que ça a joué, quoi. Mais voilà quoi. Donc puis la touche est repropre et tout, c'est on a l'impression d'avoir une guitare neuve, mais une nouvelle guitare par rapport à celle qui était là. Par contre la tête c'est assez bluffant. Bah la tête en fait elle avait juste besoin d'être ravivée parce que bon elle a pas pris beaucoup de poke à cet endroit là, pas trop de rayures non plus. Non c'est cool. Mais oui effectivement c'est plutôt pas c'est mal. Cool. Donc guitare de case, enfin tu m'arrêtes si je dis bien. Ouais. Petit bilan guitare de case, un petit coup de pchit à contact sur les potards. Si des fois ça crachine un peu. Ouais. Le coup de la laine d'acier sur le manche pour mettre un grand coup de clean. Ouais. Voilà, un petit peu de alors c'est quoi, c'est de l'huile que t'as mis sur la touche pour nourrir un peu. Ouais, voilà, coup de laine d'acier déjà pour commencer, ensuite un peu de nettoyant. Alors là, on a utilisé le cleaner de Harmonix pour bien nettoyer, enlever les dépôts. Mm-hmm. Et ensuite un petit peu d'huile effectivement. Bon là, tu peux prendre de l'huile de protection. Là c'est la seule infidélité à Harmonix qu'on a fait. Moi j'utilise de la F1 de chez Musique No Matière. D'accord. Qui est une huile, comme je te disais, qui est universelle, qui du coup, aussi, est aussi ouais. Voilà, traiter n'importe quel bois sans problème. Ok, voilà, merci Gaël. Alors voilà, on aurait dû finir la vidéo en remontant les cordes, en rebranchant machin, etc. Mais il y a une autre vidéo qui suit sur le comment pousser un petit peu plus loin la rénovation d'une grade d'occasion. Donc c'est dans une vidéo à venir. Merci de nous avoir regardé, de nous avoir supporté, parce que là on était quand même on était plutôt agréable. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Checkez la description, il y a des produits Harmonix à gagner juste en likant. Donc vous checkez la description. Et puis c'est gratos. Et voilà. Check la description. Salut.